En économie maintenant, le groupe Auxilane marque Decathlon fête les 1 an du Between Village installé à Lille dans le quartier de Fives. 1 an, 650 salariés déjà et 100 000 vélos sortis par an. Des chiffres qui font du Between un nouveau succès de Decathlon. Et la grande fierté du groupe lillois, c'est bien sûr le tout dernier, le Vélil. Tout dernier sorti, il a été conçu, développé et assemblé justement ici à Lille. Et ça semble lui porter chance à lui aussi puisqu'il démarre sur les chapeaux de roue avec 6400 utilisations par jour. La plupart des utilisateurs lillois sont devenus de véritables adeptes. Alors pour autant, il reste quand même encore des petits couacs et des points à améliorer sur ce Vélil. Les explications justement à l'atelier Between qui y travaille. Écoutez. Quand on imagine un vélo, la grande satisfaction, c'est de voir que les utilisateurs le plébiscitent. Et aujourd'hui, c'est le cas, parce que c'est vrai que dans les grandes lignes, ce vélo est fortement apprécié pour sa maniabilité, son look, et il donne envie d'être pratiqué. Donc c'est vraiment super. Toute l'équipe est contente. On va améliorer le vélo pour le rendre encore plus fiable, encore plus pertinent. Donc là, on s'est aperçu qu'il y avait un câble qui posait problème. Donc on va juste le remettre en place avec un petit détail supplémentaire qui va venir le rendre parfait. Et puis un deuxième petit accessoire sur lequel on va modifier un composant, voilà, pour vraiment faire de ce vélo un très très bon vélo. Voilà donc les problèmes qui sont en train donc d'être résolus à l'atelier Between. Il y a également le problème de la vitesse. Certains usagers regrettent qu'il n'y ait que 3 vitesses au Vélil. En fait, ça a été pensé comme tel pour brider les vélos afin qu'ils ne dépassent pas les 30 km/h.